Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de 3 heures de l'après-midi. On y portait un homme qui était infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'installait à la porte du temple, dite la belle porte, pour demander l'aumône à ceux qui pénétraient dans le temple. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il les sollicita pour obtenir une aumône. Pierre alors, ainsi que Jean, le fixa et lui dit « Regarde-nous ». L'homme les observait car il s'attendait à obtenir d'eux quelque chose. Pierre lui dit « De l'or ou de l'argent je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazoréen, marche !» Et le prenant par la main droite, il le fit lever. À l'instant même, les pieds et les chevilles de l'homme s'affermirent. D'un bond, il fut debout et marchait. Il entra avec eux dans le temple, marchant, bondissant et louant Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'était bien lui qui se tenait pour mendier à la belle porte du temple. Et les gens se trouvèrent complètement stupéfaits et désorientés par ce qui lui était arrivé. L'intrigue d'un récit se noue d'ordinaire autour d'une tension narrative. Que ce soit une difficulté, que ce soit une crise, que ce soit une impasse, l'intrigue vise à résoudre la tension qui surgit en amont du récit. Dans le cas d'acte 3, l'enjeu, je dirais, herméneutique du texte tient à la correcte identification du nœud de l'intrigue. À la correcte identification du moment où l'intrigue se noue autour d'une tension. Alors, classiquement, on a fait du récit d'acte 3 un récit de miracle, un récit de guérison. Car au verset 2, il y a bien une tension qui a trait à l'handicap d'un homme. On y portait, nous dit le narrateur, un homme qui était infirme depuis sa naissance. De prime abord, nous avons donc affaire à un récit qui viserait à rétablir dans son intégrité physique un homme frappé d'un mal congénital. Néanmoins, pour en avoir le cœur net, l'analyste, le spécialiste de la narratologie, se doit de vérifier que le dénouement est bien symétrique. Le dénouement, on le rencontre au verset 7 et 8. À l'instant même, verset 7b, les pieds et les chevilles de l'homme s'affermirent. Vraisemblablement, il est bien question dans ce récit d'un rétablissement physique, puisque les membres inférieurs de l'homme qui étaient boiteux, des membres qui étaient frappés d'asthénie, de fragilité, d'impuissance, ces membres-là sont raffermis à l'intervention de Pierre et Jean. Néanmoins, le narrateur raconte plus que ce rétablissement-là, puisqu'il précise, ce qui peut paraître saugrenu s'il est question uniquement d'un miracle de guérison, il précise que d'un bond il fut debout et marchait, et qu'il entra avec eux dans le temple, marchant, bondissant et louant Dieu. Il entra dans le temple, et il loua Dieu. Or, si on se reporte en amont du récit, on se rend compte en effet que notre homme était non seulement un infirme congénital, mais que, en plus, il était totalement dépendant d'autrui, puisqu'il n'était pas capable de se mouvoir seul et qu'on devait le porter, verset 2, et qu'on devait l'installer, verset 2b, et qu'en plus de son handicap physique, il souffrait, je dirais, l'exclusion, la marginalité, dans la mesure où il était cantonné à la porte du temple, dite la belle porte, un lieu où il était condamné, sa vie durant, à demander l'aumône à ceux qui pénétraient dans le temple. Ces différents détails qui sont donnés et qui trouvent, au moment du dénouement, comme résolution. Ces différents détails, à savoir que notre homme est fixé à la porte du temple
et qu'au final, il est capable d'entrer dans le temple, et qu'en plus, au moment du démarrage du récit, il est totalement dépendant et isolé, puisqu'on l'installe à la porte et qu'il ne peut que regarder ceux qui pénètrent, au final, il est rendu capable d'entrer dans le temple avec eux, donc avec Pierre et Jean, nous dit le narrateur, pour y louer Dieu, pour finalement renouer avec sa relation à Dieu. On voit que du verset 2 au verset 7 et 8, l'homme évolue. Il évolue non seulement d'un handicap physique au recouvrement de la santé physique, mais il évolue aussi de l'extérieur du temple à l'intérieur, de l'immobilisme à l'action qui lui permet de louer Dieu, et de l'isolement social à la communion dans le temple et dans la communauté célébrante. Une fois que l'on a identifié le nœud de l'intrigue et la boucle nœud, nouement, dénouement, il convient de s'intéresser à l'intervalle, à l'entre-deux, à ce qui précisément favorise la transformation d'une situation de départ tourmentée à une situation finale apaisée. Cette action transformatrice prend place des versets 3 ou versets 7a, donc dans l'intervalle. Et ce qui est, disons, remarquable dans ce récit, c'est que l'action transformatrice va décliner trois temps, trois moments. Le premier moment, dont la rencontre entre Pierre et Jean, va mettre en jeu le visuel, le regard. En effet, au verset 3 à 5, pas moins de 4 verbes sont utilisés pour dire l'échange de regard qui a lieu entre Pierre et Jean d'une part, et le boiteux de l'autre. Verset 3, « Quand il vit Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il les sollicita pour obtenir une aumône. Pierre alors, ainsi que Jean, le fixa et lui dit, « Regarde-nous !» Sur ce, l'homme les observait. Il y a donc tout d'abord un échange de regards entre Pierre et Jean qui montent au temple et ce mendiant qui est posté à sa porte et qui fait partie du paysage du sanctuaire jérusalémite. À l'échange de regards s'ajoute le temps de la parole. Pierre dit en effet au verset 6, « De l'or ou de l'argent, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazoréen, marche. » Une parole donc, une parole que l'on peut qualifier de performative, dans la mesure où cette parole ne se contente pas de dire, mais elle vise à agir, à effectuer un changement, une transformation dans la vie de l'homme, à le faire marcher. Cette parole est placée dans le nom de Jésus-Christ, le Nazoréen. Formule un brin énigmatique de prime abord, une formule qui demande que l'on comprenne le sens du nom et la valeur du nom dans la théologie biblique. Le nom, ce n'est pas simplement l'être de Dieu ou l'être de la personne en question, Jésus-Christ. Non, c'est toute la puissance qui en émane et qui irradie ceux qui s'inscrivent dans la sphère de pouvoir qui est régie par ce nom. Donc, c'est un nom qui est porteur d'un pouvoir et d'une puissance. Un nom qui peut donc faire marcher à partir du moment où on l'invoque par la parole. Et finalement, le troisième temps de cet échange, c'est le temps du geste. Ce geste, il est viril, pourrait-on dire. Car au verset 7, il est dit « le prenant par la main droite ». Pierre et Jean empoignent l'infirme, ils le saisissent et le font lever. Ici, le verbe faire lever n'est pas anodin, car c'est le verbe egeiro en grec, l'un des deux verbes utilisés d'ordinaire pour caractériser le mystère de Pâques dans la théologie du Nouveau Testament. Donc, il est bien question ici d'un faire lever qui a valeur de résurrection,
dans la vie de cet homme qui était une presque mort ou une semi-mort. Regard, geste et parole renouent la relation entre Pierre et Jean et celui qui n'était jusqu'alors qu'un objet. Un objet que l'on posait à la porte du temple. Un objet de pitié. Une marchandise, un homme marchandise, qui n'était bon qu'à susciter, à exciter la compassion des gens. Avec cet être-objet, Pierre et Jean renouent une relation plénière, totale. Une relation qui, dans le nom de Jésus, est porteuse de vie pour cet homme, dont l'existence, depuis sa naissance jusqu'à ce jour-là, n'était qu'un désert sans oasis. Notre homme recouvre la vie en plénitude, dans toutes ses dimensions, non seulement la santé, mais aussi la capacité de s'associer avec le peuple d'Israël pour entrer dans le temple et pour y louer Dieu, pour y rétablir sa relation au Créateur.